Bonsoir, nous sommes aujourd'hui avec Marion Farissier, une plongeuse lyonnaise qui est un espoir pour les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Alors Marion, explique-moi un petit peu quel est ton parcours. Alors j'ai commencé par faire de la gymnastique à l'âge de 2 ans et demi à peu près, jusqu'à environ 8 ans. Et suite à une chute en poutre, j'ai décidé d'arrêter le plongeon, d'arrêter la gym pour me mettre au plongeon. Et depuis ce jour-là, je performe tous les jours à l'INSEP et ça me plaît. Tu t'entraînes à peu près combien d'heures par jour, combien d'heures par semaine? Ça représente quoi en quantité de travail? Alors par jour, je m'entraîne 5 heures environ, des fois plus. Une séance le matin de 10h à 13h environ et une séance l'après-midi de 16h à 19h et plus. Chaque séance comprend soit de la gymnastique, donc en général c'est l'après-midi on fait que de la gymnastique, un petit peu de musculation et le matin on fait des séances dans l'eau, donc 1 mètre et 3 mètres. Je suis basée sur Paris en ce moment, j'ai commencé à Lyon. Et pour faute d'installation sportive, j'étais obligée de monter à Paris pour les écoles et pour les études et le sport. Tu suis un sport-études en fait? Oui, c'est ça. Donc tu espères te qualifier pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Tu es une des jeunes espoirs pour le plongeon français. Comment tu te projettes par rapport à cet événement? C'est positif. Moi j'y crois. Donc après, il ne reste plus qu'à réussir mes qualifications et je serai en route pour Londres. Un projet qui te tient à cœur, un rêve? Vraiment. Depuis que je suis petite, vraiment, j'ai commencé le sport en me disant je ferai les Jeux Olympiques un jour et j'espère que cette année, en juillet, je pourrai me dire voilà, les Jeux Olympiques, j'ai mon billet et je les ferai. Tu travailles également avec d'autres Lyonnais? Tu travailles avec qui en tant que plongeuse connue ou que plongeur connu? Comment ça fonctionne? Alors, il y a un plongeur qui s'appelle Mathieu Rosset, qui est Lyonnais lui aussi. Il est parti à Paris un an avant moi. Et on s'entraîne tous les jours ensemble, on est comme frères et sœurs quoi maintenant, voilà. Quel est le souhait que tu pourrais faire par rapport au plongeon que tu vas effectuer? Tu espères te qualifier sur quel exercice en fait? Alors en fait, pour être qualifié, c'est sur 5 plongeons qu'on est évalué. Donc vraiment pour me qualifier... À combien de mètres tu plonges? Comment? Quelles sont les mesures prises? Donc je plonge à 3 mètres, en individuel et en synchronisé. Donc avec ma partenaire Fanny Bouvet. Et pour être qualifiée, il faut réussir presque parfaitement une série de 5 plongeons. Écoute Marion, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi et je te souhaite bonne continuation et j'espère qu'on te retrouvera bien sûr aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et qu'on pourra te suivre donc pour Such a Star à ce moment-là. Merci beaucoup.